Alors, on va dire une prière pour renforcer les énergies de lumière et leur permettre de leur ouvrir les portes pour entrer dans les consciences un petit peu et purifier les consciences en enlevant les scories des déchets de la bête jetés du ciel, tombés sur la terre et entrer en possession de l'humanité progressivement, en possédant les êtres humains de façon à les pousser à faire des guerres, du mal et à s'isoler les uns des autres de plus en plus. Donc on va réciter une prière en langue très ancienne qui va remonter les énergies et réveiller les êtres. Et même si on ne comprend pas, je traduirai après en gros la définition parce que c'est très vaste, mais je dirai une prière abrégée en français pour expliquer ce que cela veut dire. Voilà à peu près. Erehetzanun eladatecha feshate avatere lahe gitela herela rehetzatahe ohetzahe dahe la ashanun Tetahe tsaku here dahe la heje shameanun terenun xashakun he ku xameme he ku tsatenun Vahagihe Hasham Zagza Shatahe Sanun Temehe Nun Rehu Peshate Nun Zashahu Gigzanun Retzagza Lahe Nun Re Nun Zaretzahe Tagzalang zanun Rehe kure Dahe dahe tahe nun Tetsame Hebe Betsahe dahe la Vatsa arehe tsanu Terehe shanun Te Ta he tzaku he lalahe peshate vaksa tza vaksa tza mehe tza lahe megzanun dahe 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 meate nun Gihela shate da shanun he je shame anun tere kuazae zashata tsashahe nun zashahu lahechu ogzatsare hechu dahe rea dahe la teta tsa nun gihe nun gzashaku ata gzanun ku erere ete nun re lahe oa Gza pesha he dahe gi he jae ak gza ku o hatsa he da tere he yo a da te ku o hatsa la he ku o hatsa gza o ha je he re Hekudahe,
Taretsa tere feshahe resha haku henun tagzanun he dahe osha tehu dahehu meten lala henun atetsa heshiku ere dahe kufe שהלכו נון דשקו נון עתק זנון קו עורקו הגיג זשרקו לה עוצק זלה יושקו פשע אשע יוג זשע צדה הג'ה שתה רשא הכו בגזנון הרמת כו הצא תגידזה גיקסה צדה תהשם הרנון התהשם אוגזתנון רלה דה קורצה שגירת גזנון דהי רגזנון גזהי שתה צהי להי קועלה שרי תתה הנון קודהי רגזתה הרי גלי גזמם הרי שלה עקו אועצה מה אועצה גזמתאו קו עדנון תלה להה אותה אועצה גזקסה עוהג הרי ועצה רגזנון ענון זהה רשאה ללה עתשאה הנון תגזתה נון גזשקו לקוקו תקוריה נון גיהרה לה עוצה גזרה גירה תגזנון דהה רכו הנון הרכו דהה דהה לה תתצה נון גיה גיתצה רהלה להה הקורא נון גזרצה ה תקסה לה גזנון ראה גזמה משנון הנון גזשהו קו רגזשהו קו הג'ה גזמה מהקו דהה לה רצה רהצה צהה רהצה צהה דהה גישה לרשע צהקו דהה לנון זשהקו הרי דהה צהה לה תזה תגזנון תזה תגזנון רדענון גזשקו שנו תצהרה רגזצה מהצה להקו מה מבצהקו דהה לנון גזשתה לה להה
Shaherek
la chahé, ré, 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 nun, ré, arrêté, ta, hé, da, hé, da, hé, ta, té, hé, ça, gi, hé, ré, ré, hé, ro, ta, té, hé, ça, hé, hé, ré, la, té, nun, ré, hé, nun, cou, té, ré, hé, hé, nun, té, ça, za, té, hé, Fesha he la la he Gila nun kure tere Shatsa Ere he da te va te tsa Da he kula da tem te he me me he Oheza kugzanun nun he feshate la shatsa da tere he feshahe ragza shahere he re nun re arete tahe Da sharete la te kuare te xanun da he gihe re re he otsate he tsa he obzasha ta tsa la he me ala xasha la Gigzat sansa sha ore te xanun kugzatere da heretsa sha tere te me me he da tea re he me he nun re da e La ha o a he nun ku he he da he gi he sham fe sha te me ala ku te nun re he nun re te xa nun nun he ku Re he nun re he sha te he nun re da he la he va te tsa he da he va he nun da he la la he me he me he o a tsa gza re he za he he o a tsa la he o he he da he va he sha da he ku Anun vaheku vatsa da tehenun kudae lahe oahe he lagza tezanun he lahe oala nun dae dae kure tsa sha gire te xanun dae la re tsa tsa he gi xanun gi sha o a
ata la eku oata gza oa hej ere eku dae mehenun kuzanun zaeku zaetenun Tetzahe O'atza Laheku Anun Zaheku Dahe Gihed Shaku Ere Leheku Dahe Ho'aheku Dahe Lazatza Zahanun Tekua Retekzanun Dahe Laksa Tsa Lazatza Da Tsahe Dahe Ku Telasha Metenu Neku O A Gzaku Kuhe Daheku O A Tsa He Sham Henun Tagzate Henun Zashakula heku kuwa la shaedahe reheku anun zaheku reshahe la la a tetsaheku ere Dahe kun. Voilà, alors bon, bien sûr, la prière qui va avec, eh bien, je vais la lire en gros comme ça, hein, bien sûr, c'est vraiment du résumé. Éternel, toi qui es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui est le Père de l'univers et de l'humanité. Nous ne sommes rien face au gouvernement qui nous contrôle et qui nous gouverne. Notre volonté est de devenir membre de la fraternité universelle qui formera le monde de demain, celui d'une humanité sage. Ouvre-nous les portes de ta délivrance. C'est vrai qu'à notre époque, nous avons atteint le chaos prédit jadis, l'époque de chaos prédite jadis par les prophètes de vérité que tu as envoyés depuis des millénaires et desquels nous n'avons pas voulu écouter la parole jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant tu es bon et miséricordieux éternel et ne veux point la destruction de ton œuvre. Le salut, c'est vrai, vient de toi et uniquement de toi et comme tu l'as promis à Daniel le prophète, par ton ange tutélaire, envoie-nous l'assistance et la protection de tes anges de délivrance, car telle est notre volonté commune, et à nous, tous hommes de la terre, de culture et de langues différentes, et de religion et de nationalités différentes, mais unis dans la volonté de nous associer et de former les membres de la nouvelle humanité pour le monde nouveau, que tu nous as promis par la voix de tes prophètes. Rends-nous dignes et purifie nos cœurs et nos intentions de notre pensée et les intentions de notre pensée. Pardonne-nous nos fautes et nos griefs antérieurs les uns envers les autres. Aide-nous à tourner la page et à entrevoir le demain mieux qu'hier, ce que nous devons corriger pour mieux nous préparer à concevoir et à recevoir le monde nouveau
que nous ont promis les prophètes d'Israël, tes prophètes de vérité. Et que toute tentative de dévier cette prière et l'intensité qu'elle est d'énergie qu'elle constituera et édifiera dès la dixième personne qui l'aura dite, constituera et édifiera dès la dixième personne qui l'aura dite, que toute tentative d'utilisation de cette prière pour le mal ou pour la corruption soit détruite immédiatement, et que la pensée de ceux qui, mal intentionnés, tenteraient de faire de cette prière, que cette prière se défende d'elle-même et qu'elle protège par l'épée de feu de l'Éternel et des 26 anges gardiens de l'épée de l'amour. Éloigne-toi, éloigne le plan de destruction de la terre conclu par les prophètes de mensonges, inspiré par tes anges déchus et par les adeptes de l'organisation de l'ordre des illuminés et possédés par eux. Envoie-nous le salut de tes anges tutélaires et des armées du ciel, car nous voulons vraiment construire ce monde nouveau qui est celui que tu as prévu pour nous. Immanuel, Dieu est avec nous lorsque nous sommes unis pour servir comme un seul homme et un seul peuple, Michael, prince et archange de la miséricorde, Gabriel, prince et archange qui contrôle le feu et qui mange le feu et maître de la physique du ciel, Auriel, prince et archange de la lumière divine, Raphaël, prince et archange de la guérison et de la médecine mentale et physique, guérisseur des maux sur les ordres du Très-Haut. Sandalphon, prince suprême des armées du royaume, des prières et de leur accomplissement, couronne de gloire, et Métatron, prince suprême des facettes nombreuses de l'unité du royaume et des peuples du ciel et de la terre et de la Torah aux 70 facettes. Nous croyons à la force du bien et à son triomphe final sur le mal, qui est l'issue de la bataille finale des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Amen. Voilà. Donc, voilà, on va clore pour aujourd'hui, hein. Et j'espère que ça vous profitera et que les vibrations de cette prière vous feront du bien. Voilà. À très bientôt. Salut à tous.